Bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'On se dit tout. C'est avec énormément de plaisir, bien sûr, que je vous retrouve pour parler de deux sujets. Nous allons faire le point sur la FIV, la fécondation in vitro, en deuxième partie d'émission avec le docteur Hassan Mehdi, les gynécologues. Mais avant, eh bien, décryptage pour vous aujourd'hui d'une communication extrêmement bruyante, très impactante, que l'on n'entend pas du tout, mais qui serait plus puissante que les mots. Alors, comment gagner en confiance, en charisme, en leadership personnel grâce au rouage de la communication non verbale, c'est ce que je vous propose dans un instant. Reste avec nous pour les détails. La communication non verbale ou l'art de tout dire sans prononcer un mot, eh bien on en parle tout de suite avec vous. Marie Mlehlou, bonjour. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Alors je rappelle, vous êtes business coach et consultante management à Compétences Plus. Et avec nous aussi, Mounir Barada, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec très grand plaisir. Vous êtes praticien Reiki. Praticien Reiki. Voilà, on va en savoir un peu plus dans un petit moment. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'appréhension un petit peu par rapport à cette émission parce que j'ai l'impression que je vais être analysée, décryptée par rapport à mes gestes surtout, mes mots non, puisqu'on parle aujourd'hui de communication non-verbale. Donc, est-ce que je peux croiser mes doigts? Est-ce que je peux poser ma main sous mon menton? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous poserai toutes ces questions dans un petit moment. Mais pour commencer, quand on parle de communication non-verbale, Madame Lihlo, qu'est-ce que c'est exactement au sens large? Est-ce que c'est simplement le langage du corps? Alors en fait, la communication non-verbale, comme son nom l'indique, c'est une communication qui ne dépend pas du langage. On a les mots qui représente 7% de l'impact de notre communication, et on a le corps. Alors le corps, vous remarquez bien que je suis assise droite, que ma gestuelle peut être ample, peut être fermée, que je vous regarde droit dans les yeux, que je vous souris éventuellement. Et ça, ça représente 93% de l'impact de la communication. Avec la voix aussi, qui peut changer de volume, qui peut ralentir, qui peut également changer d'intonation. Alors, il y a un superbe graphique qui montre aussi que 55% de l'impact de la communication dépend de la physiologie, 38% dépend de la voix. On verra comment s'entraîner justement sur ces 93% de la communication qui peuvent vraiment changer le cours d'une conversation ou influencer mieux nos interlocuteurs. Alors, en préparant cette émission, j'ai eu en tête la fameuse émission Le Mentaliste, justement, qui décryptait beaucoup de choses à travers la communication non-verbale, des enquêtes policières carrément à travers la communication non-verbale. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut tous devenir des mentalistes? Alors en fait, le mentaliste, il y a quelque chose qui est énergétique, qui est supplémentaire à tout simplement décrypter. Il y a des disciplines qui s'appellent la synergologie, qui est l'art d'étudier les gestes, les micro-gestes. Ils ont répertorié quelque chose comme des milliers de gestes. Aujourd'hui, en PNL, on peut également calibrer, c'est-à-dire mesurer l'évolution par rapport à un cadre de référence, l'évolution de la communication non-verbale de nos interlocuteurs, pour dire par exemple qu'il regarde en haut, qu'il regarde en bas, qu'il regarde à droite, qu'il regarde à gauche. Ça veut dire ça. Et que tout simplement, ça indique l'état émotionnel ou cognitif dans lequel il se trouve. Alors évidemment, il ne s'agit pas de généraliser parce qu'il faut faire très attention. On ne doit pas s'amuser à dire « tu as regardé en haut, en bas », ça veut dire ça, tout simplement, parce que les gens en face de nous peuvent aussi s'amuser à nous mener en bateau. Donc il faudrait faire très attention à surtout bien connaître la personne au départ, pour connaître son cadre de référence, qui est un cadre de normes en fait, comment est la personne à l'état naturel, pour ensuite essayer de voir quel est l'écart dans certaines situations, sous stress, dans un état de joie, dans un état de colère. Ça permet de prendre le contrôle un peu plus. Alors en fait, rapidement, ça, comme ça, on mesure aussi l'énergie, parce que quand on parle d'énergie peut-être ou d'aura, je vous pose la question, Monielle, mais justement, c'est pour plus prendre le contrôle, Mariam? Alors, il ne s'agit pas de prendre le contrôle de son corps. En fait, je vous dirais même qu'il est impossible de prendre le contrôle de son corps. Il s'agira de mieux le gérer, de mieux savoir, et surtout d'inviter les spectateurs qui regardent l'émission ce matin de se dire: ma communication non-verbale est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante que les mots que je dois utiliser. Les mots ne représentent que le fond. Ma communication non-verbale est la forme. Et aujourd'hui,
pour vraiment impacter positivement mes interlocuteurs, je dois faire très attention à la forme de mon discours. Parfait, ça résume bien, ça introduit bien notre sujet. Justement, on va développer ça au fur et à mesure. Alors, Mounir Barada, vous êtes praticien Reiki. Praticien Reiki. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait votre pratique? Qu'est-ce que c'est exactement? Le Reiki, c'est une forme de thérapie énergétique qui sert à rééquilibrer et à réharmoniser les énergies dans le corps. Nous avons, pour ceux qui les connaissent, les chakras, qui en fait ce sont les sept points principaux, j'insiste sur principaux, les sept points principaux d'énergie qu'on a dans le corps, qui vont nous faire fluidifier notre énergie dans le corps. Et je veux rebondir un petit peu sur la partie énergétique dont on a parlé, qu'on vient de parler. Nous avons le langage corporel, quand on dit corporel, on ne voit que le corps. Mais en fait, nous avons aussi l'aura. L'aura est constituée de, pour ceux qui les connaissent, de corps énergétiques qui sont superposés les uns sur les autres. Et nous avons sept, et c'est l'ensemble de ces sept corps énergétiques qui constituent l'aura aujourd'hui. C'est pour ça que vous participez avec nous aujourd'hui à l'émission. Quand on parle de communication non-verbale, on parle aussi de charisme, d'aura, de présence. Alors, charisme, dans le monde professionnel, on a des gens, bon, en arabe c'est le hiba pour nos téléspectateurs, pour bien comprendre l'aura, c'est le hiba. Quelqu'un qui a un aura énorme, un aura enveloppant, un aura bienveillant. Ou alors, à l'inverse, nous avons des gens qui sont ce qu'on appelle des énergivores, des vampires d'énergie, où typiquement, on peut prendre l'exemple dans une réunion. Dans le monde professionnel, les gens sont assis. Supposons que je suis assis dans une réunion, la porte est dans mon dos. La réunion est fluide, les choses passent bien, tout est harmonieux. Rentre une personne sans la voir, sans parler, les gens se crispent, les propos deviennent tendus. À partir de là, tout est dérangé par cette aura négative et surtout énergivore qu'amène cette personne, encore une fois, sans parler. Donc, c'est de la communication non-verbale. Communication complètement non-verbale qui est dégagée par l'émotion ou les émotions exprimées par cette personne sans parler. Alors, forcément, je vous pose la question, ça vient d'où, cette énergie? Alors, ça vient des corps énergétiques que nous avons, pour ne pas... Si on fait le parallèle avec les maladies, par exemple, la médecine traditionnelle chinoise dit que quand un organe est malade, la maladie a déjà commencé depuis bien longtemps dans le corps énergétique, dans les corps énergétiques, dans l'aura, et atteint le corps physique à un moment donné. Et une fois qu'elle a atteint le corps physique, l'énergie est bloquée dans cet organe malade. Le blocage d'énergie se fait depuis très longtemps, avant la déclaration de la maladie. Pardon. Donc, quand on fait un traitement énergétique, nous pouvons fluidifier l'énergie dans cet organe, donc éviter la maladie, et au même titre, régler, entre guillemets, nos émotions négatives en se nettoyant. Voilà. Cette personne qui rentre dans cette salle de réunion, qui arrive avec une énergie, on va dire, négative, mm-hmm. qui est ressentie, parce que c'est tout simplement des sensations. Ce n'est pas palpable, on ne voit pas. C'est tout simplement des sensations. On se sent mal à l'aise. Sans le contact visuel. Sans le contact visuel également, absolument. On est dérangé, on sent qu'il y a quelque chose. Tout à fait. On parle aussi de tension, mm-hmm. parfois. Tout à fait. Alors justement, cette personne a en elle des émotions négatives, c'est ce que vous nous dites ? Cette personne a des émotions négatives où elle n'a pas réglé un certain nombre de choses de sa vie antérieure. Donc, quand je dis sa vie antérieure, de ce qu'elle a vécu, sa situation de vie. C'est pour ça qu'il est important, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, oui. de se nettoyer régulièrement pour pouvoir justement avoir cette énergie, entre guillemets, positive. J'aime pas trop le mot, mais une bonne énergie qui va envelopper et qui va faire fluidifier les choses. Ok, alors justement, parler, on l'apprend dès la naissance, on nous parle, on utilise une intonation, on utilise des mots, les langues aussi, ça s'apprend bien sûr, différentes langues, mais la communication non-verbale, la gestuelle, ce qu'on dégage, toutes ces choses-là, ça s'installe en nous, Marie Melhelou.
En fait, moi j'avais une dame qui disait, qui prononçait une phrase fabuleuse, elle disait « ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Ce qui ne s'exprime pas par la voix, par les mots, ce qui ne sort pas vers nos interlocuteurs s'imprime. S'imprime où ? Dans notre corps. Comment ça s'apprend ? Dès notre plus jeune âge, en fait, on est conditionné. Déjà qu'il faut savoir que la communication non verbale chez les Marocains n'est certainement pas la même chez les Chinois, chez les Asiatiques en règle générale, chez les Occidentaux, chez les Américains, chez les Européens. Donc il y a des codes universels. Il y a d'ailleurs des émotions universelles comme la joie, la peur, la tristesse, la colère, le mépris, le dégoût. Il y a donc un psychologue américain, Paul Ekman, qui a pris le temps d'analyser dans différentes tribus dans le monde comment le rire, finalement, s'exprime à travers nos micro-expressions du visage, de la même manière qu'on soit indien d'Amérique latine ou qu'on soit marocain ou qu'on soit aussi chinois. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on se dise qu'entre humains, entre êtres humains, nous sommes connectés par des choses universelles en non-verbal. Quand je vois quelqu'un me sourire et que son sourire uniquement s'exprime à travers la bouche, mais pas à travers les yeux, je peux me poser la question, ça va m'interpeller tout de suite parce que dans le processus de communication, on est en échange. J'envoie un message en tant qu'émetteur à Yasmine qui me renvoie un message en tant que récepteur. Et des fois, elle me renvoie juste un message par un hochement de la tête, par un sourire des yeux ou pour tout simplement, si le message ne l'intéresse pas, peut-être elle peut détourner le regard, regarder son téléphone, etc. Donc, il y a des codes de communication auxquels on est exposé depuis notre enfance, qui nous ont formés et informés. Et ce que je dis très souvent, c'est que les enfants sont des magnifiques décodeurs de communication non verbale, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore été trop déprogrammés, à savoir qu'ils ont une intuition, ils ont une âme, ils ont quelque chose qui est parfaitement ouvert et alerte sur le monde. Et je dis très souvent à des amis qui sont parents, ne mentez pas à vos enfants. Par exemple, si votre enfant arrive le soir, que vous avez passé une journée difficile, par exemple, au travail, et que vous êtes fatigué, votre enfant va venir vers vous, qu'est-ce que tu as maman, qu'est-ce que tu as papa? Et là, vous dites non, rien, tout va bien. Ça va. Vous savez, des mots laconiques qui veulent absolument rien dire. L'enfant aura vu auparavant, même un adulte averti qui a aiguisé sa perception. De l'empathie. L'empathie fait qu'il voit, il calibre. L'enfant a calibré la posture, peut-être abattue, la mine peut-être déconfite, mais sans qu'on le sente, les expressions vers le bas, etc. Papa, maman a quelque chose et pourtant il me dit ça va. Vous allez créer une sorte de distorsion, une dissonance chez l'enfant, il ne va pas comprendre. Et à partir de ce moment-là, peut-être, les programmes vont se modifier. Donc c'est très important. Ça, c'est les programmes d'interprétation. D'interprétation. Et vous avez parlé d'intuition aussi. Exactement, parce que les enfants, quand je dis qu'ils sont des fabuleux décodeurs du non-verbal, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore eu les couches qui peuvent alterner leur perception. Donc c'est du ressenti. C'est du ressenti. Mais comment, ça c'est pour l'interprétation. Donc vous êtes en face de moi, vous m'envoyez un signal, je le perçois par empathie, par intuition, je vous renvoie un autre signal. Tout à fait. Ok. Mais juste, Yasmine, je rajoute quelque chose. Les enfants sont à la recherche de la cohérence, comme les adultes sont à la recherche de la cohérence. En fait, le non-verbal, là où il devient intéressant, si votre non-verbal est complètement incohérent avec ce que vous dites, les gens en face vont avoir du mal à vous suivre. Vous n'allez pas les influencer, ils vont se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit ça, et pourtant, tout son corps exprime autre chose. Et figurez-vous que c'est là où les gens, soit ne vont pas vous croire, soit vont être mal à l'aise, soit vont se dire, il y a quelque chose qui cloche, je vais creuser. On illustre avec un exemple ? Avec plaisir. Allez-y, justement. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez me dire qui ne sera pas accompagné par la posture du corps ? Alors, il y a eu des cas célèbres, d'ailleurs, il y a une vidéo très célèbre sur YouTube qui s'appelle « Les secrets de la communication non-verbale », où des experts se sont amusés à décrypter le langage corporel de président, d'homme politique, tout simplement parce qu'ils sont très exposés aux médias, aux caméras. Il y avait le cas d'une sportive aussi extrêmement célèbre où elle devait faire
On l'a suspecté de dopage, c'est-à-dire c'était Madame Jones, je pense, qui est une célèbre personne qui s'est illustrée dans plusieurs Jeux olympiques et qui a pris des médailles. Et à un moment donné de sa carrière, on l'a suspecté de dopage. Elle est venue devant les caméras, elle a menti. À quoi on a vu qu'elle a menti? C'est tout simplement qu'elle disait qu'elle était très en colère, que les autorités, que les médias la suspectent de dopage, son visage n'exprimait absolument pas la colère. Vous savez, quand vous même êtes si en colère... Même si sa voix essayait d'exprimer la colère... Même si ses mots exprimaient la colère. Elle avait appris son discours par cœur, mais son visage exprimait la tristesse et la culpabilité. Elle était même comme ça. « Je serai contente le jour où ma carrière sera à nouveau blanchie. » Elle a fait ça. Elle savait qu'elle ne sera pas blanchie. Mais en fait, à l'intérieur d'elle-même, elle savait qu'elle mentait. Okay. Quand on est en colère, quand par exemple vous dites quelque chose sur moi qui n'est pas vrai, est-ce que je vais être plutôt triste, abattue, ou est-ce que je vais être vraiment en colère parce que vous avez dit quelque chose qui ne me correspond pas? Je vous regarderai avec défi parce que je suis sûre de moi et je suis vraiment furieuse, mais vraiment furieuse, à travers ma voix, mais aussi à travers... Donc vous leur donnez de bonnes idées, là, pour, pour bien illustrer là, mais à travers... les Alors, propos. Les acteurs, vous savez, Yasmine, les acteurs sont parfaitement formés à porter des masques et à jouer des jeux de rôle. Chassé de naturel, il reviendra au galop. Alors... Justement, Mounir, pour tout ce qui est énergie, on va revenir sur le non-verbal, comment ça s'imprime en nous, parce que je ne veux pas dire comment on l'apprend, parce qu'on ne l'apprend pas, c'est à nos dépens. Mais pour tout ce qui est, on va dire, aura, énergie, ce qu'on dégage, ce non-verbal aussi qui est ressenti, comment ça s'imprime en nous, comment on superpose ces couches? On superpose les couches, on va dire, en se contaminant. Parce que là, on est assis tous les trois. Nos auras sont mélangées. Donc nos auras sont mélangées parce que l'aura, le septième corps subtil, septième corps énergétique, il est à, on ne sait pas où il est. Le deuxième, il est à 2 mètres de nous. Donc le septième, on ne sait pas où il est. Nos auras... Juste une petite parenthèse. Oui. Quand vous parlez d'énergie, justement, vous savez, dans notre culture, on est un petit peu... pas fermé, mais on n'est pas trop proche des cultures asiatiques, de l'énergie, de ces choses-là. Est-ce qu'on vous prend au sérieux, je vais vous dire les choses Dans ma pratique de tous les jours, je fais toujours le parallèle avec ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se faisait au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le ruqya. Ruqya shar'iya, c'est ce qu'on mettait la main sur une partie douloureuse, avec des versets du Coran ou même juste du'a, des prières, pour pouvoir alléger les douleurs de la personne. C'est comme ça que ça marche. L'énergie se transmet beaucoup par la paume des mains. Et donc, Donc, ce n'est pas à nouveau à notre culture. Du tout. Voilà. Merci pour ancré, la précision. Tout à fait ancré dans notre culture. Pour revenir aux exemples, on peut le voir nous tous dans notre entourage, avec nos amis, quand on rencontre quelqu'un. Je le vois beaucoup en séance. Les gens, ils arrivent, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Là, et on le fait souvent. Ouais. On le fait très souvent. Maintenant, à partir de là, vous pouvez le remarquer dans votre entourage. Souvent, les gens disent, ah, je vais très bien. Le langage corporel, voilà, il est très significatif. Et quand on creuse, bien sûr, souvent la personne soit s'effondre, soit... Et quand je fais remarquer ça en séance, vous avez dit non de la tête, oui, parce que, etc. Et l'effondrement commence, parce que c'est là où la personne a besoin d'aide. D'aide, absolument. Voilà. Donc cette histoire d'énergie, en fait, on va dire, c'est pas une énergie fixe, stable, mais on a souvent des personnes qui, quand on est avec certaines personnes, on est toujours à l'aise. Tout le temps, tout à toujours fait. Bien. Tout à fait. Parce que au contraire, avec d'autres, eh bien, on est toujours un peu tendu. Tendu, on est infecté et affecté par leur champ énergétique. Et ce qui est intéressant aussi pour nos téléspectateurs scientifiques, on va dire, toutes ces choses ont été expliquées aujourd'hui, et heureusement, parce que bon, on reprend la science, par la physique quantique, où on a pu mesurer des champs électriques, des champs magnétiques. Et la base de tout ça, c'est bien sûr toute particule a une énergie. D'accord, absolument. Donc on peut scientifiquement expliquer ces choses-là aussi. Tout à fait. Alors, comprendre et décrypter le langage du corps, ça c'est très important. Dans certaines situations professionnelles, Mme Lihlou? Alors,
Le langage du corps est utile au quotidien. Comme je vous ai dit, dès qu'il y a incohérence entre ce qu'exprime le verbal et le non-verbal, vous attirez l'attention des gens. Bien évidemment, dans le monde professionnel, on passe de 8 à 10 heures, voire à 12 heures, dépendamment des organisations. Quand on passe un entretien d'embauche, vous devez prouver des choses à votre interlocuteur. Faire la différence. Et des choses à un interlocuteur qui a une écoute active et une observation, parce qu'il s'agira justement de vous recruter à un poste soit clé dans l'organisation, s'il vous recrute pour un poste de directeur, de manager, de superviseur, soit pour un poste de junior. Mais dans tous les cas, c'est un investissement où votre interlocuteur restera très attentif à la manière dont vous vous touchez les cheveux, à la manière dont vous êtes droit. Peut-être que vous allez être crispé. Est-ce que vous vous massez les mains pendant toute la conversation? Ça veut dire quoi, ça, justement? Décrypter. Est-ce que vous vous massez les mains? Est-ce que vous vous chauffez les mains? Est-ce que vous jouez avec votre stylo nerveusement? Parce que très souvent, aussi, il y a des personnes, sans qu'ils le sentent, sont en train de parler et peut-être de tourner leur stylo ou leur pied ou leurs mains de manière extrêmement nerveuse. Des fois, faites attention si la table montre vos pieds, faites attention à la manière dont vous tenez vos pieds. Bien évidemment... Pardon, juste un détail, oui, ce recruteur sera attentif à tous ces gestes, mais peut-être n'aura pas les capacités techniques de les expliquer, mais par contre, il pourra les ressentir. Exactement. Alors, vous savez... comme je vous ai parlé des enfants, pour vous exprimer le ressenti. Des fois, on n'a pas les mots pour exprimer un malaise, mais on ressent un malaise tout simplement parce qu'il y a quelque chose que mon interlocuteur a fait qui n'est pas normal pour moi. Si mon interlocuteur ne me regarde pas franchement dans les yeux pendant qu'il me parle, je me dirais, est-ce qu'il est sincère ou pas? Dans les cultures asiatiques, et je fais le parallélisme tout de suite, au Japon, si vous regardez trop longtemps votre manager dans les yeux, il dira que vous êtes effronté et que vous ne respectez pas les codes de la hiérarchie et du respect. Donc là encore, toute chose égale par ailleurs, nous restons dans quelque chose de très spécifique aux entretiens d'embauche où il s'agit de prouver à mon interlocuteur, regardez Yasmine par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un de dynamique? Oui, j'ai toujours été dynamique dans ma vie. Comment vous dire? La dernière fois... Alors, vous rencontrez justement dans les entretiens d'embauche, on va dire, ce genre de profil? Parce que sans être spécialiste, on se rend bien sûr compte qu'on ne peut pas passer un entretien d'embauche comme ça. Là, je vous assure que des gens ont passé des entretiens d'embauche complètement avachis dans leur fauteuil, avec la voix... Si votre interlocuteur vous pose la question sur le dynamisme et que vous répondez... Oui, bien sûr, j'ai déjà été dynamique dans ma vie. Déjà, le rythme de votre voix ne montre, et bien sûr, votre posture. Surtout si votre interlocuteur... Faites attention à la synchronicité avec votre interlocuteur. S'il parle d'un débit rapide, certainement, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'avant. Faites attention s'il est comme ça, penché vers l'avant, ou s'il est vers l'arrière. Ça veut dire quoi, justement? Alors, on est penché vers l'avant, plus on est porté par l'action. Plus on est ouvert, par exemple, plus je suis ouverte, plus je vous dis, j'ai pas peur de vous, vous n'avez pas peur de moi. C'est-à-dire, je vous accueille et vous m'accueillez aussi. Ça montre une confiance en soi. Tout le monde s'accorde à dire que plus nos gestes sont amples, plus la personne a confiance en elle. Plus nos gestes sont hauts aussi. Par exemple, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Là, j'attire votre attention, mais aussi je montre que je suis expert. Les professionnels aussi, certains politiciens jouent beaucoup de ce geste-là. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est un geste qui est très souvent perçu comme un geste de réflexion. La personne peut réfléchir, elle peut être comme ça, elle peut réfléchir, elle peut être comme ça aussi. Si elle se gratte le menton, là, elle se pose peut-être beaucoup de questions. Si elle se gratte le front, peut-être qu'elle ne voit pas le bout du chemin. Si elle se gratte la nuque, en général, en synergologie, on dit que le problème est beaucoup plus ardu que le problème. Mais là encore, les leaders peuvent apprendre ces gestes-là parce qu'ils ont eu des coachs, ils ont eu des experts à dire, par exemple, et je cite très souvent Hillary Clinton parce qu'elle a beaucoup plus de gestes appris que de gestes naturels. D'accord. Vous le regardez parce que vous allez voir Hillary Clinton il y a 20 ans et Hillary Clinton aujourd'hui, vous direz c'est pas possible, c'est pas la même dame. Elle regarde les gens franchement, elle a des gestes plus amples. Aussi, ses expériences de vie, forcément, lui ont fait gagner des points de confiance, d'estime. Et du coaching aussi. Et du coaching aussi, oui. Elle va se dire, j'ai intérêt à sourire avec les gens.
j'ai intérêt à ouvrir davantage mes bras et à montrer mes signes de leadership pour attirer leur attention. Ça, c'est le signe de leadership ? Pas seulement. Alors, il y a ça. Il y a également, je vais vous montrer le chemin. D'ailleurs, regardez, tous les leaders, ils font ça. Alors, c'est la notion du guide. Je vais vous montrer le chemin. Tous ensemble. Je vais finir mon émission aujourd'hui, comme et là, je me permets de le dire, c'est pas moi qui ai inventé ces gestes. Absolument. C'est à travers le décryptage de plusieurs personnalités en France, au Maroc, aux États-Unis, ailleurs, qu'on se dit, ces personnes-là reprennent les mêmes gestes et il y a une ça raison. A l'air convaincant. Quand, absolument. Et il y a une raison, exactement. Ça a l'air convaincant, mais au bout d'un moment, où est la spontanéité? Est-ce que ça ne devient pas des gestes mécaniques? On va en parler en deuxième partie d'émission. Bien sûr. Et justement, avec vous également, Mounir Barada, cette énergie, par exemple, on a pris l'exemple de l'entretien d'embauche. Oui. Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'on peut mentir? Pendant l'entretien, franchement, non. Par parce l'énergie. Que, alors, pendant l'entretien, franchement, non. À moins de faire des exercices de respiration pour bien se recentrer, bien envoyer l'énergie vers la terre et vers le ciel. Donc ce flux d'énergie va être zénifiant, si je peux utiliser ce terme. Mais le travail se fait bien avant pour bien se nettoyer énergétiquement de tous ces blocages où il y a certaines personnes qui n'aiment pas parler de blocage parce que c'est un terme qui bloque. Mais en fait, on parle de blocage énergétique pour justement avoir l'opportunité de le libérer et d'être zénifié. On peut faire le travail soi-même ? Parce que justement, avant un entretien d'embauche, surtout pour les juniors, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. La recherche du premier travail, c'est aussi extrêmement difficile. Bien sûr, il y a des techniques très simples de respiration. On peut le faire aussi, les enfants le font beaucoup, même nous, adultes, on peut le faire. Par exemple, quand on a mal à la tête, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, j'ai mal à la tête. On serre. Et on, non, on ne serre non, pas. On ne serre juste, pas, moi je serre. On met juste la main, un petit moment, et vraiment, c'est ce qu'il faut faire. C'est le bon geste à avoir pour pouvoir transmettre sa propre énergie, pour pouvoir enlever la douleur. Donc, souvent, on dit, j'ai peur. Et on met la main sur le chakra du cœur qui représente c'est la vrai. Peur. Donc, en fait, il faut prendre conscience que, par exemple, pour l'entretien d'embauche, le diplôme, c'est bien, la formation, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il faut, pour se vendre, comme on dit, il faut d'abord prendre soin de son énergie. S'aligner, s'aligner. Être aligné avec ses chakras. Exactement. Avec ses chakras. Et surtout, faire attention à sa gestuelle, à sa voix, à toutes ces choses-là. En fait, ce n'est pas du tout évident pour les juniors, surtout quand ils sont en recherche d'emploi, premier travail, le stress, toutes ces choses-là. En fait, c'est un peu une question de gestion de stress, pratiquement. En principe, oui, c'est une gestion de stress à travers ce qu'on peut faire nous-mêmes en respiration et en ancrage. Donc, j'insiste sur le mot ancrage pour pouvoir vraiment être ancré et exprimer ce qu'on doit exprimer. Donc, deux profils complémentaires pour cette thématique de la communication non-verbale. Mérim Lihlo, business coach et consultant management à Compétences Plus. Et Mounir Barada, praticien Reiki. Pourquoi ? Parce que la communication non-verbale, c'est aussi de l'énergie, l'énergie que l'on dégage. On reste ensemble, on marque une courte pause et on revient pour la deuxième partie. Bien sûr qu'on va parler aussi santé, on va parler des FIV, des fécondations in vitro. Reste avec nous sur Média TV pour la suite. Mérim, je fais ça ? Je peux me permettre ou ça n'a pas de sens ? Reste avec nous, on revient pour plus de détails. On espère vraiment que vous passez d'agréables moments en notre compagnie. Le décryptage de ce langage plus puissant que les mots, 93% de nos messages passent par la communication non-verbale. On continue cette belle discussion avec vous, Mérim Lihlo et Mounir Barada. Justement, l'énergie joue un rôle très très important dans cette communication non-verbale. Dégager du positif, est-ce que c'est donné à tout le monde ? Est-ce qu'on peut faire ce travail ? On peut le faire, j'insiste sur la partie nettoyage. On se nettoie, il faut l'imaginer comme un travail de à chaque séance, à chaque chose qu'on peut faire, pas forcément une séance de respiration tout seul, ça peut servir aussi. C'est des couches qu'on enlève. Il y a beaucoup de couches de toute notre vie, et cette énergie qui peut être acquise et rééquilibrée et en phase et alignée avec l'énergie universelle et l'énergie tellurienne de la Terre, pour pouvoir, j'insiste sur le mot ancrage aussi, tout ça, ça peut effectivement nous mettre dans une énergie positive, accueillante, bienveillante.
Parfait. Mais justement, des personnes qui disent, écoutez, moi, on me reproche souvent de pas être agréable alors que je fais de mon mieux. Je n'ai pas l'impression d'être désagréable avec les gens. Je n'ai pas l'impression de mal parler. Je n'ai pas l'impression de stresser les autres. Est-ce que c'est aussi une question d'énergie ? Souvent, ces gens-là ont une défaillance ou un blocage d'énergie, je reprends le mot blocage, au niveau du chakra qui est sur le diaphragme, le chakra qui s'appelle le plexus solaire, pour ceux qui le connaissent, qui justement gère la relation avec l'autre, la relation avec les autres et la confiance en soi. Donc c'est effectivement un blocage d'énergie à un chakra donné. Il y a des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à parler en public ou à parler ou à exprimer des choses à des gens, juste exprimer. Tu m'as mise en colère, je suis pas bien. On ne peut pas exprimer, et ben le chakra de la gorge est bloqué. Et souvent, c'est des gens qui font, quand on retient beaucoup de choses, alors là, c'est le décryptage des maladies, ils font des angines à répétition, souvent, mal à la gorge. Et quand je creuse avec ces personnes-là, oui, effectivement, j'ai quelque chose que je n'ai pas encore dit, très importante à mon père, à mon frère, etc. Donc, c'est des choses non exprimées qui s'emmagasinent énergétiquement. Il y a de la psychothérapie aussi dans ce que vous faites. La psycho-énergétique, effectivement. Psycho-énergétique, absolument. Alors, je reviens à vous, Mariam Lehlou, justement, pour... vous nous avez donné pas mal de... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'attends ce qui va venir par la suite. J'attends votre question. Alors, vous nous avez justement expliqué pas mal de gestes et la spontanéité dans tout ça. Est-ce qu'on peut se permettre d'être spontané? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de formatage? Alors... La spontanéité, ça s'apprend. De toute manière, quand on est dans la communication non-verbale, on est forcément spontané. Je défie quiconque qui peut dire qu'il prépare à 100% sa communication non-verbale, ça n'existe pas. Exemple, j'ai choisi un vestimentaire particulier aujourd'hui. J'ai choisi du noir et du mauve. Ça, je peux faire de ça un choix conscient. C'est-à-dire dire que mon interlocuteur, par exemple, j'ai lu dans des livres que le bleu pouvait rassurer les personnes, que le bleu était un signal de confiance, de rigueur, etc. Que le mauve et le noir signalaient autre chose. Donc, une assurance. Une assurance ou autre chose. Ça peut être aussi un choix créatif de ma part pour poser un positionnement. Le rouge et le noir ? Le rouge et le noir est très beau. Alors après, il fait. Alors le rouge est une couleur de la passion. C'est une couleur de la vitesse. Regardez Ferrari, à quoi elle est associée. Elle est associée au rouge. C'est une couleur de la rapidité, de l'efficacité. C'est également une couleur du pouvoir. Puisqu'il y a les codes rouges. C'était pas calculé, hein. C'était pas prémédité. Et c'est une couleur royale aussi. La couleur de la passion, passion pour le métier. Exactement. C'est une couleur royale. Et puis il y a le rouge et le noir de Stendhal aussi. Donc c'est une couleur extrêmement connotée. Dans nos choix vestimentaires, on peut être conscient. C'est-à-dire, et forcément, quand je me présente à un entretien, à une réunion ou à l'émission, je saurai que ma communication non verbale passera beaucoup par le corps, par les expressions de mon visage, mais aussi par des choses que je porte et par des accessoires que je porte aussi. Parce que je maîtrise aussi, parce que l'information maintenant existe, justement. Tout à fait. La puissance des couleurs, la puissance des matières aussi, l'info est là. Tout à fait. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous aurez une grande part de responsabilité dans le non-verbal que vous allez dégager. Et il y aura toujours, je dis bien toujours, malgré de l'entraînement, parce que là aussi, en tant que coach et consultant, on est là pour entraîner les gens à être une meilleure version d'eux-mêmes, selon les objectifs qui se sont fixés, parce que ça aussi, c'est important. Nous sommes dans un monde professionnel, nous sommes dans un monde personnel, on a le droit d'avoir un style naturel, oui. Mais en situation de performance ou en situation d'évaluation, on a le droit aussi de montrer le meilleur de nous-mêmes et de choisir les choses qui vont nous valoriser davantage. Donc ça, d'une part. Néanmoins, si on ne travaille pas à l'intérieur la psychologie, les émotions et le mental des personnes qu'on accompagne, il risque d'y avoir des gestes qui les trahissent. Exemple, une poignée de main moite, une poignée de main molle, une poignée de main où je ne regarde même pas la personne en face parce que quelqu'un ne m'aura pas briefé sur l'importance de se poser quelques secondes quand je salue la personne en face de moi. Donc ça, ça prend. Mais si jamais je suis stressée, nerveux, la tête ailleurs et pleinement présent dans ce que je fais, mon non-verbal peut traduire un manque d'intérêt pour la personne, un manque d'éducation aussi, parce que je n'aurais pas suffisamment bien géré mon stress, mes émotions avant, perturbée par quelque chose, fait que mon non-verbal va jouer contre moi.
Tout à fait. Alors, ce que vous dites, Marim, on le comprend parfaitement et on se dit, oui, il y a de l'apprentissage. Comme vous dites, on a le droit d'être une meilleure version de soi-même. Mais en termes d'énergie, j'ai l'impression que ça, c'est plus de l'ordre de l'inné. On a beau nettoyer, mais il y a des gens qui sont, on va dire, sincèrement bons, sincèrement généreux, sincèrement avec une énergie extrêmement positive. Et d'autres personnes, eh bien, sont ce qu'elles sont. Je veux juste rebondir sur... une meilleure version de soi-même. Ouais. On peut l'être avec le Reiki. On peut le nettoyer pour le devenir. Tout à fait. Par exemple, quand on prend une orange et qu'on la presse, qu'est-ce qu'on a? Forcément, on a un jus d'orange parce que c'est on a pressé une orange. Quand on presse une personne, quand on la met sous stress, soit elle s'énerve, soit elle est très. C'est ce qui est à l'intérieur qui va ressortir. C'est ça la partie de nettoyage qu'on doit faire pour pouvoir donner une meilleure version de nous-mêmes. Pour quand on est sous stress, sous pression, soit un entretien d'embauche dans une réunion professionnelle ou dans une négociation commerciale où il y a un enjeu énorme, de toute façon, il y a une pression. Et cette pression va faire sortir de nous, malgré la préparation, comme m'a dit Madame Ayouch, de... Madame Lehlo. La meilleure version de nous-mêmes, c'est ce qu'on va offrir. Absolument. Mais justement, la technique de négociation, ça aussi, c'est extrêmement important. Ça serait bien même qu'on consacre une émission entièrement à cette surpuissance aussi. Quand on étudie ça, on apprend surtout la négociation, c'est-à-dire la technique. Mais on apprend rarement la gestuelle. On apprend vraiment comment pousser l'autre personne, comment faire marche arrière, comment savoir qu'elle revient, comment la mettre sous pression. Donc en fait, on a beau essayer d'apprendre au maximum à maîtriser cette communication non verbale, elle prendra toujours le dessus parce que nous ne sommes que des humains. Tout à fait. C'est bien ça. Nous sommes que des humains. Notre silence, nos gestes, notre regard, notre sourire, notre respiration, notre coloration de peau, la manière dont on se tient, tout ça fait partie de la communication non-verbale. On a vraiment intérêt à prendre soin de soi, à surveiller notre hygiène de vie émotionnelle, mais aussi alimentaire, mais aussi notre hygiène de sommeil, pour pouvoir harmoniser au maximum tous ces éléments pour être aussi impactant et aussi sincère que possible. Parce que là encore, n'oubliez pas d'être sincère. Si vous ne l'êtes pas, ça se voit. Ça se verra tout de suite. Mounir Baradan, le mot de la fin pour vous ? Je rebondis sur harmoniser, aussi harmoniser les énergies de tout notre corps pour pouvoir, de tous nos corps, au pluriel, les corps physiques et énergétiques, pour pouvoir vraiment donner une meilleure version de nous-mêmes, pour pouvoir aller de l'avant. Eh bien, parfait, merci beaucoup. Moi, je vais vous demander comment faire la meilleure version du au revoir. Comment vous m'avez dit, Mélim, tout alors, à l'heure ? Je disais, restez avec nous. Restez avec nous. Et, même en télé, ça passe ? Mais bien bon, sûr, alors on le fait. Restez avec nous. Eh bien, restez avec nous sur Média TV. C'est un plaisir de vous avoir. On va parler santé, on va parler FIV, fécondation in vitro, dans un petit moment. Les détails. Donc on enchaîne cette fois-ci sur la FIV, mieux comprendre la FIV, pour qui, quand, comment. Eh bien, toutes les explications avec vous. Docteur El-Mehdi Hissen, vous êtes gynécologue à Casablanca. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors justement, de façon simplifiée, comment on peut définir une FIV, une fécondation in vitro? Une fécondation in vitro, donc c'est un procédé, c'est un nouveau procédé, c'est un procédé pointu d'assistante médicale à procréation qui permet de mettre en relation des ovocytes féminins avec des spermatozoïdes masculins en dehors de la filière génitale normale. C'est-à-dire qu'on les met en laboratoire, qu'on les fait féconder en laboratoire. En dehors de l'utérus. En dehors de l'appareil génital féminin. Ce n'est pas en général au niveau de l'utérus, c'est au niveau des trompes de Fallope, ce qu'on dit les trompes utérines, les trompes de Fallope, c'est là où se fait la fécondation, mais on fait ça au niveau d'un laboratoire par des procédés très, très avancés. Très bien. Alors, donc ça c'est vraiment la définition, on va dire, vraiment générale, basique. Globale. On va aller un peu plus dans les détails. La fécondation in vitro, la FIV, c'est pour quel profil de couple, on va dire ? Alors, la FIV... C'est un procédé d'assistance médicale à procréation et c'est pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants d'une façon naturelle. D'ailleurs, l'infertilité, c'est pour les couples infertiles ou alors très peu fertiles ou hypofertiles. Alors,
L'infertilité est définie comme étant l'incapacité de procréer naturellement au bout d'un an d'essai, sans moyen de contraception et avec des rapports réguliers, on dit ça des rapports réguliers, et on peut amener ces définitions à 6 mois d'essai quand les femmes ont au-delà de 35 ans. Donc lorsque ces couples-là n'arrivent pas à procréer de façon naturelle, on fait tout un bilan et lorsqu'on arrive finalement à la conclusion qu'il y a un problème de fertilité majeur et que tous les autres procédés d'assistance médicale à la procréation ne sont pas aptes à permettre à ce couple à procréer, donc on passe au procédé qui est la fécondation in vitro. Très bien. Vous avez parlé de justement solution à l'infertilité. Et l'infertilité a plusieurs causes, on le sait, oui. Justement. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la FIV, par exemple pour des raisons, on va dire, d'anatomie ou de santé? C'est ce qui fait que la grossesse n'est pas possible. Et donc, est-ce qu'une fécondation in vitro est recommandée pour certains profils? Enfin, est-ce qu'il y a une contre-indication? Alors, la fécondation in vitro est recommandée pour les gens qui n'arrivent pas à concevoir naturellement. Donc les étiologies ou les causes, elles sont différentes et elles sont regroupées un petit peu par palier, c'est-à-dire que ou par case, c'est-à-dire dans 30% des causes, dans 30% des cas, ce sont des causes féminines, dans 30% des cas, ce sont des causes masculines, dans 30% des cas, autres cas, ce sont des causes mixtes, c'est-à-dire qu'il y a un facteur féminin et un facteur masculin. Et dans 10% des cas, des fois on dit que ce sont des infertilités inexpliquées, c'est-à-dire que tout le bilan semble normal, mais qu'on n'arrive pas à trouver une explication plausible. On dit bien inexpliqué. Aujourd'hui, la science ne l'explique toujours pas. Non, il faut pousser un peu plus loin que les bilans basiques pour trouver, on trouve en général, la majorité des cas, on trouve une explication, mais ce sont des infertilités où tout semble normal, mais les choses ne tiennent pas. Très bien. Voilà. Mais justement, est-ce que, par exemple, si la cause, on va dire, est féminine, s'il y a une pathologie, s'il y a un problème au niveau de l'utérus, est-ce qu'une FIV reste quand même recommandée ou prescrite comme une aide? Parce que la FIV, c'est vraiment, on va dire, le choix de la dernière chance. Effectivement, la FIV, c'est un dernier recours. Et alors les causes, c'est surtout quand si la femme n'a pas l'utérus, c'est pas possible. Hein. Si elle n'a pas d'utérus, c'est pas possible. Alors, pour pouvoir bénéficier de la FIV, il faut qu'elle ait au moins ses ovaires. D'accord. Donc si elle a ses ovaires, elle a ses follicules, et que le mari possède des spermatozoïdes qui peuvent être fécondants, bah, dans ce cas-là, oui, elle peut bénéficier d'une FIV. Mais si elle n'a pas d'utérus, ce n'est pas possible. C'est la matrice finale, finalement. Tout à fait. Quand on veut implanter ces embryons-là, donc c'est au niveau de l'utérus. Est-ce qu'il y a des pathologies où, par exemple, la FIV est complètement déconseillée? Alors, il y a certains cas où la FIV est déconseillée, mais il n'y a pas de contre-indication absolue. Ce sont des contre-indications relatives et temporaires. D'accord. Alors, des fois, vous avez des femmes qui ont des cancers, ce qu'on appelle hormonodépendants. Et ces femmes-là, donc, quand on veut les stimuler, on les stimule avec des hormones. Hormones, tout à fait. Donc, c'est vraiment temporaire. Soit alors, il faut, et c'est ponctuel, ça ne dure pas longtemps, on fait soit une FIV rapidement avant, ou alors quand elle a un cancer, on fait ce qu'on appelle une cryopréservation de son matériel génétique, c'est-à-dire de ses follicules, et une fois qu'elle est traitée de son cancer, on peut revenir vers le procédé de FIV tout à fait normal. Donc en fait, pour la FIV, il faut une préparation de l'organisme à l'avance? Préparation de l'organisme, oui, c'est-à-dire qu'on... Surtout une préparation, un bon bilan, c'est-à-dire pour connaître quel est le meilleur protocole ou quelle est la meilleure façon pour pouvoir traiter ce couple-là infertile. Il y a plusieurs méthodes de FIV? Alors, il y a deux principales méthodes de FIV. Vous avez, le principe est toujours le même. Alors, il y a la FIV, ce qu'on appelle la FIV classique, où on fait un recueil des ovocytes de la femme, on les met, on les met dans culture avec les spermatozoïdes masculins. D'accord. Voilà. Il y a une autre qui est encore beaucoup plus poussée et qui est encore de plus en plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la FIV ICSI. Donc, c'est-à-dire, on prend les ovocytes et on fait une injection intracytoplasmique des spermatozoïdes directement dans le follicule. C'est plus précis et ça donne de meilleurs résultats et c'est l'avenir. Alors, pourquoi justement, je n'ai pas de chiffres exacts, c'est vrai, et on n'a pas malheureusement de chiffres exacts au Maroc, voilà pourquoi je n'en ai pas. Mais, je finis ma question pour savoir de quel chiffre je parle. Pourquoi souvent les FIV, lorsqu'elles aboutissent, donnent naissance à des jumeaux?
Oui, alors ça, on va dire que ce n'est pas une complication, mais c'est le risque. Pourquoi ? Parce qu'en général, lorsqu'on fait les transferts embryonnaires, c'est-à-dire que nous avons permis d'avoir des embryons soit au troisième jour, soit au cinquième jour, soit au sixième jour, ce qu'on appelle des blastocytes, et quand on transfère, avec l'accord de la patiente, en général, on transfère deux pour augmenter les chances d'implantation. D'accord. Et donc, des fois, vous avez effectivement, lorsque les deux s'implantent, ça fait une grossesse gémellaire. Très bien. Voilà. Certains spécialistes, justement, considèrent que c'est une complication de la FIV. Une bonne FIV devrait donner un embryon, un fœtus, un bébé. Oh ben c'est logique. Regardez, lorsqu'on transfère, on sait ce qu'on transfère et combien on transfère. Donc, si on en transfère un et qu'il s'implante, on aura un seul enfant. Enfin. Si on en met deux et que les deux s'implantent, c'est une grossesse gémellaire. D'accord ? Et ça, il faut vraiment être clair avec le couple pour savoir combien de nombres on va transférer. D'accord. C'est-à-dire, ils le font en âme et conscience du nombre de transferts. Effectivement, là où il y a la complication, c'est que ce sont les grossesses multiples ou les gémellaires ou multiples qui peuvent être, elles, être des grossesses à risque, voilà, au cours de la grossesse. Alors, on va dire, pour certains couples, ça pourrait être une très bonne chose qu'on vient de discuter à l'instant, mais ce qui a quand même mauvaise réputation au niveau de la FIV, c'est que ça ne fonctionne pas automatiquement et que beaucoup de couples sont obligés de faire plusieurs tentatives. Alors, oui. Il y a un exemple que je répète à chaque fois qui est assez choquant, c'est-à-dire, de manière normale et physiologique, lorsque toutes les conditions sont réunies et mises à disposition, c'est-à-dire que vous avez un couple qui est jeune, la femme n'a pas de problème, le mari n'a pas de problème, et que les conditions sont optimales, qu'ils essaient de procréer, il y a 25% de chances d'avoir un bébé, ça naturellement. Donc, vous voyez, on a beaucoup plus de chances de ne pas avoir un bébé que d'avoir un bébé. C'est le même pourcentage pour les FIV, d'ailleurs. Alors, les FIV, ça va de 25 à 40% en fonction des cas. Donc, il faut expliquer aux couples qui viennent consulter pour des fécondations in vitro comme quoi c'est une statistique. Et que entre 25 et 40%, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on essaie, avec la fécondation in vitro, de rapporter, de mimer au maximum la physiologie, d'avoir les mêmes résultats. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Justement, est-ce que les couples vous demandent comment mettre un maximum de chances de son côté ? Est-ce que c'est possible de mettre des chances de son côté ? Alors, les chances du côté, ça dépend au fait du bilan initial du couple. Hein, s'il y a de gros problèmes d'infertilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme ou chez les deux, surtout les infertilités mixtes, c'est là où nous avons des problèmes de réussite. Donc, la meilleure chance, c'est il faut augmenter le nombre de tentatives. Peut-être ça peut tenir la première fois, mais il faut surtout des protocoles standardisés. Pas standardisés, mais des protocoles personnalisés. Quand je dis personnalisés, c'est-à-dire des protocoles personnalisés. C'est-à-dire il ne faut pas mettre à chaque fois la même chose pour tous les couples. Chaque couple aura une spécificité particulière qu'il faudra traiter pour pouvoir avoir de bons résultats. Par exemple, quand vous parlez de spécificités particulières, de mettre en place un protocole presque à la carte, oui, est-ce qu'on peut avoir une illustration, un exemple ? Alors oui, alors vous avez, en général, il y a des protocoles qui sont courants, qu'on utilise souvent, ce qu'on appelle les protocoles antagonistes ou alors agonistes, tout ça. Et puis, vous avez certaines pathologies qui peuvent être responsables d'infertilité, comme l'endométriose, comme ça, qui peuvent, où vous avez besoin de préparer une préparation spécifique de la femme avant de commencer un protocole. Donc, soit un traitement chirurgical, soit alors un traitement médical pour un petit peu atténuer les maladies avant de commencer la fécondation, le protocole de fécondation in vitro. Très bien. Alors, encore une fois, malheureusement, nous ne disposons pas de chiffres officiels, mais on va partir de votre expérience et de votre pratique sur les FIV que vous réalisez. En moyenne, il faut combien de tentatives pour que ça réussisse ? Alors, en moyenne, comme j'ai dit, les chances de réussite sont entre 25 et 40%. Ça dépend. Alors, les intervenants dans une fécondation in vitro sont multiples. Vous avez le fertologue, le gynécologue. Vous avez donc le couple qui est les acteurs principaux. Vous avez le laboratoire qui joue un rôle très important dans la réussite. Et donc, lorsque, dans des meilleures conditions, on peut aller entre 30 et 35 jusqu'à 40% des fois. Et puis, c'est de la probabilité, donc c'est des statistiques. Plus vous augmentez les chances, plus vous augmentez les tentatives, plus vous augmentez les chances d'avoir... mais en général, c'est aux alentours de FIV.
De FIV, on va dire à la deuxième FIV en général. Alors, il faut combien de temps entre une FIV et une autre? Alors, on peut les enchaîner. Il n'y a pas de contrainte. Tous les mois, pratiquement? Non, quand même pas. Non. On ne va pas en faire 4-5 par an, non. On peut les enchaîner, mais en général, on dit qu'il faut laisser entre 2-3 mois, entre deux tentatives de FIV. Okay. Alors maintenant, on a la chance d'avoir ce nouveau procédé qui est la vitrification. C'est-à-dire, au cours d'une FIV, on peut avoir plusieurs embryons, utiliser ce qu'on veut et vitrifier. Alors, l'ancien terme, c'était congélation, mais maintenant, on utilise ce qu'on appelle la vitrification. Donc, il est vitrifié. C'est moins barbare comme terme. Non. Bon, c'est différent. La congélation, c'était quasiment de la congélation, comme vous faites. La vitrification, c'est un procédé qui dénature moins les embryons. Donc, et tout ça est bien sûr éthique. Oui, non. S'il y a bien une chose au Maroc, d'ailleurs dernièrement il y a eu un projet de loi, qui s'est vraiment bien encadré. Et c'est clair et net, il n'y a pas de dérive. Il n'y a pas de dérive par rapport à ça. On est un des pays les plus sévères en cas d'application de l'assistance médicale procréation. Bon, on va dire le gros point noir de la FIV, de cette technique, c'est son coût aussi. Oui, c'est un coût qui est. C'est l'apanage de toutes les. Toutes les techniques pointues. Ça justifie, selon vous, en fait, la technique, le procédé justifie le coût? Oui, alors je vous expliquais un petit peu quels sont les différents intervenants. Vous avez, comme j'ai dit, le médecin avec le laboratoire. Vous avez surtout la grosse partie, c'est surtout la pharmacie. Tout ce qui est hormones pour stimulation et tout ça, ça c'est une grosse partie, ça, c'est 40%. Et vous avez tout ce qui est, donc comme j'ai dit, fait, entre le médecin, c'est 40% aussi. Vous avez aussi des dosages hormonaux, biologiques et tout ça, c'est 20%. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, la facture est lourde parce qu'on utilise une grosse pharmacie. Mais il y a une tendance qui est très utilisée en Asie où on commence à utiliser des produits stimulants communs où on ne va pas vers une stimulation multifolliculaire. On va chercher un ou deux follicules qui vont être fécondés et qui vont pouvoir avoir le même résultat. Donc l'avenir est tourné beaucoup plus vers ça. Donc ça baisse le coût? Ça baisse le coût, oui. Pharmaceutique. Le coût final, voilà, le coût pharmaceutique baisse. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur Hissan El Mehdi. Vous êtes gynécologue à Casablanca. Donc le point avec vous sur la FIV. Et juste avant, on a fait le point sur cette fameuse communication non-verbale. Et justement, avant de commencer l'émission, on se disait, est-ce qu'on va faire une émission silencieuse, entièrement axée sur les gestes? Mais en tout cas, c'est un très bel échange avec les différents intervenants que vous pouvez bien sûr retrouver sur mediantv.com. À très vite. Merci.